Vous le savez, Dakar Feeling, c'est également l'occasion de découvrir des magasins, des hôtels, des restaurants pour sortir et mieux apprécier la vie là où nous vivons. Cette semaine, nous sommes allés à l'Alcôve, un restaurant à la cuisine inventive. On rentre dans le restaurant L'Alcôve comme on va au spectacle. D'abord à cause du cadre, à la fois design et confortable. Et puis parce qu'on vous servira des plats délicieux et surprenants, tant par leur présentation que par le mélange des couleurs et des saveurs. Ça s'appelle la cuisine inventive. On essaie de proposer une cuisine inventive. C'est un mélange de plats traditionnels et d'originalité. C'est-à-dire qu'on a une carte assez variée et on propose des plats classiques qu'on retrouve dans tous les restaurants, mais nous on y ajoute une petite touche d'audace. La cuisine inventive, c'est le fait de pouvoir travailler tous les produits, en fait, de les mélanger, que ce soit du sucré, du salé, que ce soit du produit local ou du produit extérieur. C'est pas le fait, c'est de mélanger et d'oser mélanger les saveurs, en fait. C'est aussi le plaisir des yeux, en fait, vraiment de donner en fait envie aux gens avec l'œil, en fait, que ce soit l'œil, que ce soit la couleur. Inventive, ça va être un mélange de produits qu'on n'aurait pas imaginé. C'est-à-dire qu'on essaie de surprendre les clients, on essaie de surprendre les gens, qu'ils reçoivent des choses qu'ils n'auront pas l'habitude de manger ailleurs. La mousse de betterave avec l'avocat, en fait, c'est soit niveau couleur, en fait. La betterave, c'est quand même rose, avec le vert et de la crème, avec le guacamole et tout. Et en fait, c'est ce mélange, en fait, des trois choses, que ce soit à l'œil, ça choque au départ. Mais après, en fin de repas, t'es assez surpris, en fait, du mec qui a mangé, en fait, avec ce mélange-là, en fait. Le restaurant à la base était relativement petit et donc du coup on a essayé de s'en servir comme un avantage et donc de faire de l'alcôve un endroit intime, cosy, où on puisse venir se retrouver en intimité, que ce soit entre amis, en couple ou même pour des déjeuners d'affaires. On a le service du midi où forcément on vit une clientèle d'affaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent pour déjeuner à la pause. Donc on a la formule du midi, entrée, plat, dessert, qui nécessite un repas, un service plus rapide. Donc on s'adapte. Après, la clientèle du soir, c'est autre chose. Ce sont des gens qui sortent, qui viennent dîner tranquillement. Donc là, c'est un choix à la carte et où c'est plus détendu. Et donc après, on a aussi le service traiteur. C'est-à-dire qu'on propose de faire tout ce qui est cocktail, buffet, que ce soit dans l'enceinte du restaurant ou à l'extérieur. Voir l'étonnement des gens quand ils reçoivent leur assiette, autant que ce soit au niveau de la déco qu'au niveau du goût. Voilà, c'est voir la surprise des gens qui prennent leur plat en photo. C'est là ce qu'on cherche et ce qu'on arrive à avoir avec l'alcool.
plaisir, créativité et envie de donner.